Bienvenue, messieurs, dames, Pierre le prof, vulgarisateur, Pierre Coulombe de mon vrai nom, ma 100e capsule. Enfin, c'est un chiffre 100, mais c'est quand même une étape importante pour moi. Et puis, c'est l'occasion pour, pas faire une longue capsule, mais faire ce qu'il y a de plus important, dire merci aux gens qui m'appuient, aux gens qui nous aident à répandre le même message et ceux surtout qui se reconnaissent dans mes propos. Bienvenue sur la chaîne de Pierre le prof où on cherche et on trouve l'équilibre si important entre l'amour et la colère, ok? Entre la douceur et l'agressivité, car les deux sont importants. Il n'y en a pas un plus important que l'autre. Et vous allez trouver les deux ici. Vous allez trouver ce qu'il y a de plus doux et vous allez trouver ce qu'il y a de plus féroce, ok? En espérant vous inspirer à trouver vos propres solutions dans votre milieu. Et toujours content de lire vos commentaires et puis de comparer mes notes avec les vôtres. Dites-vous que je regarde le nombre de likes que les gens se font entre eux sur mes pages, là, puis j'en reviens pas, je dis « ouais, c'est pas vraiment moi finalement qui parle, c'est les gens qui se parlent entre eux, c'est le fun ». Écoutez, bienvenue sur la chaîne de Pierre le prof aussi, cette chaîne qui est consultée par tous les blogueurs, influenceurs québécois, même ceux qui ne vous l'avoueront jamais, ok? Ils, elles viennent se ressourcer fréquemment pour rafraîchir leur lexique, trouver de nouveaux thèmes, de nouvelles approches. Et après ça, ils retournent sur leur page avec 30, 40, 50 000 abonnés et ils servent d'une autre façon, mais sans jamais créditer les sources, hein? Fait que c'est comme ça, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Je vous parle de ça sans vouloir être un pisse-vinaigre parce que le mot magique aujourd'hui, lors de ma 100e capsule vidéo, c'est le mot solidarité, ok? On a fait beaucoup de progrès, on a fait beaucoup de chemin, mais il nous reste encore du chemin à faire, ok? On est sur la bonne voie, ok? Mais il y en a qui ont compris l'importance de servir de courroie de transmission aux autres, ok? Moi, c'est ça qui m'a mis au monde, parce que quand je suis commencé, moi j'avais comme 400-500 personnes qui me suivaient, mais j'ai eu des gens qui m'ont donné de la visibilité, qui m'ont donné la parole, qui m'ont invité sur leur chaîne, ou même qui m'ont offert une tribune quand je le voulais. Et ces gens-là, je veux les remercier. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai mis leurs photos en médaillon sur la vignette, la miniature qui accompagne cette capsule vidéo. Je parle d'abord de Frédéric Pitre d'Appel à la liberté. Merci Frédéric. T'es un frère d'armes, t'es un frère de cœur. Merci aux frères Tadros aussi qui ont une autre approche que moi, qui ont d'autres valeurs et puis mais qui m'ont toujours éclairé puis donné une autre lumière. Merci les frères Tadros. J'aime votre sourire. J'aime ça quand vous séchez vos dents. Ne me méprenez jamais mal. Merci Manon Coutu aussi. Isabelle Cathy, vous êtes des femmes qui m'ont donné ma place quand je l'ai demandé. Nana l'information autrement, qui a été pas mal la première. Sam Grenier, qui est probablement le rassembleur le plus important que j'ai connu à date. Et Faucon des Haies, qui représente Steve l'artiste, Charlin et les Farfadets, pour ton support aussi, puis tes invitations aussi, que j'ai pas encore eu l'occasion de saisir, mais sache que je l'apprécie beaucoup. Je ne l'oublie pas et je vais le mentionner. Alors, aujourd'hui, c'est dimanche, le 16 janvier. Aujourd'hui, manif à Québec. OK, aujourd'hui, là, on écoute la capsule de Pierre le prof. On écoute les capsules, les vidéos qui vont être faites ce soir, sans doute en retour à la manif qu'il y a eu à Québec. Mais peu importe ce qu'on fait, on se garde d'aller regarder l'émission de Tout le monde sans torche avec la moumoune du plateau là et cet informe personnage qui sera son invité ce soir et qui probablement est un des clowns les plus pathétiques qu'aura réussi à excréter le système politique québécois des 300 dernières années. On saura plus comment lui dire, on va lui chanter. On va lui dire sur toutes les plateformes possibles et on ne fait aucune pitié à cet individu-là qui a fait son lit, qui sait pas comment traiter sa femme comme du monde, qui sait pas comment traiter les gens autour de lui comme du monde, qui a aucun respect pour les Québécois et que je peux juste comparer à un autre hurluberlu de service dont je vais vous parler dans une de mes prochaines capsules. Je le manquerai pas, je vous parle du bouffon à Trudeau.
Alors, la centième, elle va servir pas mal juste à dire ça aujourd'hui. Très important, je vais faire une capsule là-dessus ce soir ou demain. Freedom Convoy 2022, le convoi de la liberté, ne pas se méprendre avec celle qui existe en Europe, là, en France. On parle de, puis pas des convois qu'il y a eu avant ici, là, quand, à Québec, le 16 septembre, je pense, c'était des convois d'automobiles. Là, non, là, on parle de ce dont je vous parlais dans ma capsule, là, Code Rouge sur le Mont-Royal, là, là, 5 ou 6 capsules. Je vous parlais de Bernard Rambeau-Gauthier, puis des travailleurs du Québec, puis les ouvriers qui devaient se manifester, puis je vous ai parlé des Teamsters américains. Ben là, les Teamsters canadiens déferlent vers Ottawa. On parle, la date, là, c'est le 23 janvier. Alors, annulez tout le 23 janvier. Allez pas mettre quelque chose en même temps que ça. C'est à Ottawa le 23 janvier que ça se passe. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer toujours, comme c'est mon cas, je fais pas la leçon à personne, là, je mets le lien dans la description pour que vous envoyiez 2$, 5$. Ils sont rendus là, à 36 243$ aujourd'hui. Puis leur objectif, c'est 100 000$ pour aider les camionneurs à payer leur essence. Imaginez, là, c'est pas pour se payer du luxe, là, c'est pour payer ces gars-là pour pas qu'ils fassent ça à leurs frais, mais dites-vous qu'il y a des milliers de camions qui partent de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, sont en train de ramasser tout le monde, les Maritimes, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick embarquent. J'ai hâte de voir ce que les Teamsters québécois vont faire, puis j'ai hâte en maudit que vous vous leviez de sur votre steak. Mais j'allonge pas la capsule aujourd'hui, c'était pas le but. Le but, c'est de dire merci. Puis, comme vous me connaissez, je peux pas le faire mieux, ni de façon plus complète, quand je n'y parviens plus à le faire avec des mots simples, que de vous l'offrir en chanson. Alors, chanson qui avait été faite par Emmanuel. Chanson qui s'appelle « Et c'est pas fini ». C'est ça le nom de la chanson. Emmanuelle est une chanteuse des années 60-70 qui avait une voix vraiment extraordinaire. Je vais mettre, évidemment, quand je fais une chanson, vous savez que je mets le lien dans la description pour que vous écoutiez l'original puis vous la compariez avec la mienne. Et là, c'est la première fois que je fais une chanson qui n'est pas dans le ton de la chanteuse originale. Il a fallu que je la baisse un petit peu parce qu'elle était trop difficile à chanter, celle-là, pour moi. C'est la seule chanson de femme qu'il a fallu que je baisse d'un ton depuis que vous me connaissez, là. Mais bon, c'est ça. Mea culpa. Puis la chanson, là, tu peux pas offrir une meilleure chanson que ça à des activistes québécois qui se rassemblent, qui se retrouvent régulièrement dans des manifs et puis qui sont contents de se revoir. Écoutez les paroles de la chanson, je vais vous la lire. Je pense que c'est juste ça que je vous demande, là, d'être patient, de savourer ces paroles-là. C'est bullseye pour moi, là. Je ne pouvais pas trouver mieux que ça pour dire merci. Alors, c'est pas fini. Je t'ai vu faire lever le jour en chantant des chansons d'amour. Je t'ai vu monter vers le ciel, car tu as dans la tête bien mieux que des ailes. Et je dis sans même trembler que j'arrive à te ressembler. Je suis toi et toi tu es moi. Et nous sommes le monde et nous sommes bientôt ce qu'il y a de plus beau dans le monde, dans le monde. Et c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Le vrai soleil, on l'a pas encore vu. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a rien vécu. La grande extase, on l'a pas encore eue. Non, c'est pas fini, c'est rien qu'un début, mais c'est le plus beau des commencements. Je t'ai vu parler cœur à cœur à des voix qui venaient d'ailleurs. Je t'ai vu leur faire un sourire, comme on fait quand on est sur le point de partir. Et je dis que je te suivrai, car c'est toi qui m'as délivré de ma vie qui n'allait nulle part. Mais la vie, l'autre vie, je la sens comme une onde, je la sens, je la suis dans le monde, dans le monde. Pouce bleu, faites des commentaires, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Merci du fond de mon cœur. Je t'ai vu faire lever le jour en chantant des chansons d'amour. Je t'ai vu
monter vers le ciel, car tu as dans la tête bien mieux que des ailes. Et je dis, sans même trembler, que j'arrive à te ressembler. Je suis toi, et toi tu es moi, et nous sommes le monde, et nous sommes bientôt ce qu'il y a de plus beau dans le monde. Dans le monde. Et c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Le vrai soleil, on l'a pas encore vu. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a rien vécu. La grande extase, on l'a pas encore eu. Non, c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Mais c'est le plus beau des commencements. Parler cœur à cœur à des voix qui venaient d'ailleurs. Je t'ai vu leur faire un sourire comme on fait quand on est sur le point de partir. Et je dis que je te suivrai, car c'est toi qui m'as délivré de ma vie qui n'allait nulle part. Mais la vie, l'autre vie, je la sens comme une onde. Je la sens, je la suis dans le monde, dans le monde. Et c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Le vrai soleil, on l'a pas encore vu. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a rien vécu. La grande extase, on l'a pas encore eu. Non, c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Mais c'est le plus beau des commencements. Oh, 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 oh. On lâche pas personne, on continue tout le monde.